sein du service, on opère 780 salaires sur 17 sociétés différentes et 5 conventions collectives différentes. On gère toute la vie du contrat de travail, depuis le fait qu'on recrute les gens, jusque effectivement le fait qu'on les forme, on les paie, mais également les relations avec les représentants du personnel. On a vraiment la chance d'avoir la DRH dans toute sa complétude, depuis le manutentionnaire jusqu'au cadre international, on embauche tout type d'emplois. Ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on est au contact du terrain, au contact des salariés, au contact des responsables, et ça au quotidien. On est placé au cœur du centre stratégique des décisions qui peuvent intervenir, puisqu'un groupe en pleine évolution, c'est beaucoup de recrutement, c'est beaucoup de formation, c'est beaucoup de démarrage d'activités nouvelles. Nous, on est là pour apporter vraiment notre expertise et un confort, entre guillemets, de travail, tant pour les managers que pour les salariés qui savent qu'ils peuvent avoir recours à nous quand ils le souhaitent. La spécificité due au métier de la logistique, c'est qu'il faut agir et interagir extrêmement rapidement. Ça veut dire que quand on décide de mener à bien une nouvelle activité, quand on décide de construire quelque chose, il ne faut pas que la RH soit un frein, il faut que la RH soit un moteur. Moi, j'ai commencé ici, la RH était toute seule, d'accord, et aujourd'hui, ben, on est 6. Donc ça crée énormément de possibilités d'évolution pour tout le monde. C'est participer à l'évolution d'un groupe, c'est participer à des évolutions de carrière, dire que j'ai pu construire certaines success stories qui sont merveilleuses et que j'en construirai d'autres. J'ai recruté un jeune Caris qui a un peu plus d'une dizaine d'années et aujourd'hui, ben, il est directeur de zone Antilles et Guyane. Voilà. Ça s'est fait parce que le groupe se développe, parce qu'on a croît par croissance externe, parce qu'on a racheté des entreprises, parce qu'à un moment donné, il a fallu des jeunes gens avec énormément de technicité, énormément d'engagement. Entre guillemets, quand vous avez la légitimité, quand vous avez la technicité, quand vous avez l'engagement, la place vous revient. Quand on est au sein du service des ressources humaines, on porte les valeurs du groupe, on porte le groupe. Pourquoi ? Parce qu'on va recruter les salariés qui vont en faire partie. Donc si on n'est pas pleinement dans la confiance avec ce groupe, on n'y arrive pas, je veux dire, à un moment donné. On est aussi là pour être les moteurs du groupe. Et effectivement, on a toute notre place, surtout dans la logistique, dans le développement stratégique du groupe.